Voilà. Inaha basakaza amabati nkaye mukozi wacu. Aya ni amabati. Ariya ni amabati. Et nous sommes au centre-ville de Reykjavik. Et gris, pris de chez gris. Ah, voilà la pluie. Ikirere voilà les bâtiments modernes au bord du port. Alors, les immeubles ont démoli, les vieux, on démoli les anciens, on a construit d'autres à côté. Vue du port. Voilà. Umuhanda w'abanyamaguru, umuhanda w'amagare, umuhanda w'imodoka. Abanyamaguru, donc amazi, abanyamaguru, amagare, imodoka n'amazu rero. Aya ni amazu mashya. C'est le nouveau immeuble de Reykjavik. Bien sûr, à côté, il y a des immeubles anciens qu'on démolit pour construire de nouveaux immeubles. Immeubles modernes. En fait, on détruit l'ancien vieillot et on construit de nouveaux immeubles modernes, un peu à l'occidental, comme partout. Voilà, ça c'est le bus jaune de Reykjavik. Là, c'est de nouvelles constructions. Avec des grues partout. Ça c'est. Voilà, ça c'est Reykjavik moderne.
tout au fond, on voit le sommet de l'église. L'église du Mondongoa, en l'Amérique, en l'an 1000, bien avant Christophe Colomb, qui est un imposteur. Et voilà, ça continue. Et on arrive, ça c'est la partie moderne de Reykjavik. Et ça c'est le palais des congrès pour les concerts de musique. C'est Kilini, qui est là-bas. Voilà. Ensuite, on entre dans le vieux, ça c'est le port. On voit bien le port. Le port est là. Et le vieux Reykjavik, il est derrière ces immeubles. Ce n'est pas la Kagera, ce sont les chutes en Islande. Ce ne sont pas les chutes de Rossumo, mais ce sont des chutes en Islande. À 100 degrés. À la sortie du cratère. C'est naturel, tout ça. Donc l'eau est à 270 degrés en profondeur, à 20 mètres de profondeur. Et elle remonte ensuite. Poussé par la force de la Terre, ce sont des volcans en éruption permanente. Et l'eau sortant de Terre à 260 degrés à 20 mètres arrive en surface à 100 degrés. Donc l'eau qu'on voit jaillir là est à 100 degrés. Personne ne peut la toucher. Et brûle. Ça, c'est les geysers de l'Islande. Des volcans en état. Ce sont les éruptions permanentes. C'est la fumée de l'eau chaude qui sort de terre. Voilà. Là, c'est de l'eau chaude, naturelle, à 100 degrés en surface. Donc, les fumes tout le temps. C'est la fumée de l'eau chaude qui sort de terre et arrive en surface à 100 degrés. Tu es africain. Ouais, quoi, dis-le en gagnant. Mm-hmm.
côté du Shinzhen. Vite, on est pressé. Le mécanisme là. Bien.